Alors, vous avez chacun une carte. Et quand on va commencer, vous allez chacun avancer, donc on est chacun dans un carré, on va chacun avancer en suivant la ligne du réseau. Et notre ligne du réseau, elle nous amène vers un rond. Ce rond, on l'appelle centre de calcul. Et donc à chaque fois qu'on va arriver sur un centre de calcul, donc là on va faire l'exemple, donc on avance tous les deux. Si on arrive au centre de calcul, on a chacun notre carte et on va comparer les valeurs. Celui qui a la plus petite valeur, donc ici c'est moi, part vers la gauche et celui qui a la plus grande valeur part vers la droite. Alors voilà, on continue comme ça. Et ici, on arrive sur un autre centre de calcul où on va rencontrer une autre personne avec qui on va comparer et on va arriver jusqu'au carré de la fin. Et si tout va bien, quand on est sur les carrés de la fin, tout le monde est trié. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, 4 et 8. Donc, touc, 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 touc. 2 et 4. Donc moi, j'ai le plus grand. Hop, je vais là. Bonjour, 4 et 5. Hop. Hop, ah ben on se recompare encore. 2 et 4. Hop, j'arrive. Ah ben, rebonjour. Hop. Et voilà. Je suis là. Et donc là, maintenant, on peut montrer nos cartes. Et donc, si tout va bien, 1, 2, 4. Combien ? 5. 8. Et voilà, tout le monde est trié. Le lien avec l'informatique, c'est que l'ordinateur, il passe son temps à trier des choses. Il ne fait pas que ça, mais il fait beaucoup ça. Il trie les mails, il trie des nombres, il trie tout un tas de choses. L'annuaire téléphonique, tout est trié. Et donc, ce qui se passe, c'est que la question, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible pour trier des choses. Alors, si notre ordinateur était capable de faire une chose à la fois, c'est-à-dire de comparer deux valeurs et ensuite en comparer deux autres, la question, c'est combien de temps ça lui prendrait? Et bien, pour ça, sur ce réseau, c'est très facile. Il suffit de compter le nombre de ronds. Alors, donc, il y a une comparaison, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on ne les a pas fait les comparaisons les unes après les autres. On a utilisé un réseau de tri. Donc, que fait notre réseau? Eh bien, en fait, ces trois comparaisons, celle-ci, celle-ci et celle-ci, les gens le faisaient en même temps. Donc, l'ordinateur, il sait si l'ordinateur est capable de faire plusieurs choses en même temps, c'est ce qu'on appelle du parallélisme, ça va vraiment accélérer les choses. Parce que maintenant, combien de temps ça lui prend? Eh bien, comme ces trois comparaisons, ces trois de cette ligne-là se font ensemble, ça, c'est une étape de calcul. Ensuite, il y a une deuxième étape, une troisième étape, une quatrième étape, où ici, il n'y a plus que deux comparaisons, et une cinquième étape. Donc le fait de faire plusieurs choses en même temps, ici plusieurs calculs, plusieurs comparaisons, ça s'appelle le parallélisme et c'est ce qui permet aux ordinateurs actuels d'aller beaucoup plus vite que ceux qui n'étaient pas parallèles et qui ne faisaient qu'une seule chose à la fois. Un intérêt de cette activité, c'est que les enfants ne sont pas en train de réfléchir devant un papier, c'est qu'ils vivent l'activité. Ils courent partout sur le réseau et ils font de la science tout en criant, tout en rigolant, tout en courant dans tous les sens. Et donc ça, c'est une chose très intéressante parce que pour les enfants, se concentrer, c'est difficile. Et si on peut se concentrer en courant, ça aide beaucoup. Et une autre chose, c'est que cette activité, elle développe la solidarité. Parce que si on va très vite, si on est très fort, si on compare sa valeur très vite et qu'on se sauve et qu'on continue sur le réseau pour arriver le premier, eh ben on laisse quelqu'un derrière ou alors l'autre se trompe. Et du coup, à la fin, comme le résultat est par équipe, si on est allé très vite et on a essayé de chercher l'individualité, eh ben l'activité, elle ne marche pas. Et donc, en général, dans cette activité, on chronomètre les enfants, on essaye d'aller le plus vite possible, mais si jamais ce n'est pas trié à la fin, si jamais une personne est restée sur le réseau derrière, eh ben, on ne donne pas aux enfants le temps. Donc, ça permet de développer la solidarité, parce que pour y arriver, il faut attendre tout le monde, même celui qui marche moins vite, même celui qui calcule moins vite. Et donc, dans ce sens-là, l'activité est aussi très intéressante, parce qu'on réfléchit, on fait de la science et on s'amuse beaucoup. 3 secondes, et ben, vous pouvez vous applaudir parce que vous avez gagné 33 secondes. Il est bien.